de Samuel Etto quelques minutes avant l'entraînement. Je crois, oui, quelques minutes avant l'entraînement, on a vu euh, cette vidéo euh, des lions huvent euh, qui vont prendre part au tournoi UNIFAC euh, qui, se, qui va se dérouler euh, dès aujourd'hui aujourd qui commence aujourd'hui à Brazzaville. Il euh, faut dire que Samuel était là, euh, le président de la Fédération Camerounaise de Football et il a discuté avec ce gars il les a motivés, il, a, il les a demandé de respecter le choix ah, de, du sélectionneur et euh, demander aux gars de rester soudés, qu'on gagne en équipe et on respecte les choix du sélectionneur. Il a pris l'exemple sur Patrick Bouma et Roger Mila qui font la fierté du football mondial aujourd'hui en disant que, comme c'est le Cameroun, les gars devraient s'attendre à ce que tous les autres pays euh, essayent de, de, de travailler davantage pour pouvoir les battre. Euh, c'est comme l'objectif pour ce pays-là de taper le Cameroun. Donc, les gars devraient. Euh, euh, mettre euh, tous les moyens possibles pour pouvoir gagner ce match-là. Et euh, dans cette présentation, Samuel Leto les a dit qu'il prend la route pour l'Arabie saoudite, pour ses activités de président de la Fédération communiste de football. Je crois qu'il qu y a une réunion de ce côté-là en Arabie saoudite. Il va prendre pas et il dit que si ça se passe bien, il sera de retour à Brazzaville. Brazzaville, où il a rencontré d'ailleurs euh, le président Denis Sassou Nguesso avant cette rencontre avec les lions, il était là-bas, il est rentré au Cameroun. On a vu les images au niveau de l'hôpital de la Cité verte. Euh, et il est reparti encore et direction Riyad en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est pour assister au combat d'Enganou Je n'en sais rien. Ou pour préparer quelque chose autre euh, C'est possible. Est-ce qu'il euh, est en train de vouloir signer un contrat en tant qu'ambassadeur de la Coupe du Monde 2030 qui va se jouer au Maroc et en Arabie Saoudite Just wait and see. Mais ce qui est. Euh, est L'information que nous donnons là, c'est euh, les lions qui ont chanté son nom. Euh, chanté, Samuel Eto, fils de Limbe à Garoua, de Yaoundé à Bafoussam, euh, Eto, 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 Eto. Et euh, le tournoi commence aujourd'hui. Exact. Le Cameroun joue contre quelle équipe La République centrafricaine. Mm -hmm. voilà. Le match, c'est à quelle heure euh, Pour l'heure du match, je pense pas. Je pense que c'est 16 heures. Oui. Espérons que euh, la chaîne nationale va diffuser euh, cette rencontre. Espérons très bien, comme c'est une compétition internationale et euh, les Lions sont impliqués. Alors, il ne faut pas qu'on attende juste la finale pour pouvoir euh, nous diffuser les matchs. Euh, on peut le faire maintenant. Et euh, Bon, on attend On attend voir si euh, ils avaient mis euh, Les bouchons doubles pour pouvoir euh, Diffuser des rencontre de Lyon où euh, les Camonais vont devoir regarder Sur la chaîne congolaise De quoi la chaîne nationale congolaise Va montrer cette rencontre Ou euh, sur les différentes plateformes De la Fédération Camonaise de Football Parce que généralement La Fédération Camonaise de Football euh, Diffuse euh, ces différentes rencontres-là À travers ces, ces différentes plateformes pour le plaisir des fans de football. Donc on souhaite bonne chance à l'équipe U20, euh, les Lions Indomptables, qui vont affronter aujourd'hui dans l'après-midi l'équipe de la République Centrafricaine. Tous les matchs doivent être joués comme les matchs en élimination directe. C'est très important si les gars veulent aller très, très loin. Et moi, je les fais confiance, mais de toute façon, il faut dire que euh, s'ils si performent bien, même s'ils ne gagnent pas c'est une compétition, le plus important, c'est le faire play. Mais gagner aussi, c'est nécessaire pour la suite de leur carrière, pour, pour pouvoir trouver des recruteurs et autres. Donc, chacun doit aller là-bas euh, pour jouer sa partition. C'est sa carrière qui est en jeu là et c'est l'opportunité euh, d'exploser. Avec les U20. Les autres sont passés par les U15, U18, U20, U23 et autres, eux aussi, pourquoi pas. Euh, dernièrement, euh, l'Africa Foot euh, a voulu utiliser ces jeunes-là pour remplacer les lions indomptables qui étaient entre les mains du ministre euh, de Sport. Et euh, tout le monde sait que ce n'était pas le travail du ministère, mais bon, comme au Cameroun, euh, comme le Cameroun, c'est le Cameroun, on observe tout simplement et l'Africa Foot voulait passer. Euh, euh, pas les U-20 pour pouvoir régler ce problème-là, ou utiliser les U-20 pour remplacer les lions pas passé parce qu'ils ont le droit de le faire. Bon, euh, ça s'est passé comme ça s'est passé, l'intervention de la primature ou du premier ministre en personne pour essayer de régler ce problème. Et les gars étaient très très contents parce qu'on les a vus à Douala, on les a vus à Garoua avec les lions, dans la Tanière, euh, dans les vestiaires euh, du stade Room d'Aja. Ils ont pris des photos avec les lions indomptables. Donc j'espère que ça va les porter chance pour que les gars. Euh, Pousse, 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 pousse pour aller très, 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 très loin. Ils aiment leur président des fédérations. Ils aiment euh, leur superstar. Ils adorent Samuel Etofis. Ils ont fait savoir. Et on a vu, c'était un Mondo Vision.